Être ici au Furet du Nord, c'est pas anodin parce que c'est une institution, non seulement lilloise, mais c'est, je pense, une des plus grandes librairies au monde. Et c'est certainement un lieu militant pour la culture régionale. Et j'ai été très très honoré que, à nouveau, Jean-François Callens et l'équipe du Furet me sollicitent suite aux travaux qui ont été accomplis pour modifier un petit peu, en particulier le sous-sol où nous sommes. Je trouve intéressant de peindre sur les murs, quels qu'ils soient. Et mon travail est plus un travail in situ ou contextuel plutôt que littéralement urbain ou street. Et un mur, c'est un mur, même si c'est les murs d'une librairie. Je n'accroche pas de toile ici, je peins directement sur les murs. On m'a donné carte blanche et j'ai évidemment peint des musiciens dans le rayon musique, Hendrix et Gainsbourg. Et puis j'ai fait Marilyn, Woody Allen et Hitchcock au rayon cinéma. Et ici au Furet, ben, j'espère que les gens apprécieront la présence de ces témoins discrets qui sont là sur les murs. Mais je pense quand même qu'acheter ces disques sous le regard bienveillant de Jimi Hendrix, c'est pas rien.